Bonjour à tous et à toutes, ici Lumi13. Donc aujourd'hui j'avais un peu envie de vous montrer Essel de retour, oui. Pendant la dernière vidéo que j'ai fait sur Second Life, j'avais montré un endroit qui m'appartenait pas en fait. Et ici en fait c'est un endroit sur une sim que en fait c'est mon habitat en fait. C'est un endroit que j'ai loué. Donc voilà, c'est un endroit sympa pour l'instant. Donc voilà, j'ai par exemple, comme je vais vous montrer, parce que c'est le but, c'est pour vous montrer qu'est-ce que j'ai créé et si c'est vraiment moi qui ai créé ou pas. Donc voilà, je vous montre tout de suite ça. Donc regardez par exemple ici, vous avez des fenêtres. Fenêtres qui m'appartiennent et que je suis bel et bien le créateur. Donc 12 primes, il fait plus à la base, mais bon, ça. Donc c'est des créateurs pour Shader Reflection, ça permet de donner une illusion d'ambiance de Shaders. D'ailleurs j'ai foutu ça pour éviter de devoir faire la suite, c'est une technique que j'ai eue. Donc voilà, j'avais une armoire que j'ai créée ici tout simplement, donc je vais vous la montrer un peu plus près. Voilà. Ça me fait rire parce que d'habitude le truc qui apparaît, les informations apparaissent et clairement il ne peut pas. Ah voilà. Donc armoire à Fox, Silver, XD, XD, Angernat c'est moi. Voilà, 29 primes, Landmark 29 primes. Donc ici l'impact reste 29 primes parce que je n'ai pas compressé le truc. Si par exemple je l'ai compressé, donc l'impact sera différent. Si ça fait 3 primes, mais à la base, il me semble que ça fait, je sais pas. Faut que je vérifie une fois. C'est loqué. Voilà. Si je mets en prime. Voilà, ça fait 4 primes. Donc ça retire quand même une prime en moins. C'est déjà ça. C'est déjà ça de fait. Voilà, je vais remettre en X. Donc celui-là, si je le converse, ça fait 14 primes, si je me trompe pas. Donc c'est pas mal aussi, mais bon voilà, j'en ai besoin parce que sinon après il y a un souci à ce niveau-là et ça se fait mal. Parce qu'en fait c'est son nid au renard. C'est un nid que j'ai créé. Donc c'est bel et bien moi qui ai créé aussi, hein. Et voilà. Ici, général, voilà. Ici je sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. Mais voilà, c'est bien moi qui ai créé. Donc je peux vous montrer tout ça. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est le banc que je voulais sélectionner. Merci. Sélectionner, merci. Voilà, ça c'est le banc que j'ai créé. Alors désolé si vous ne voyez pas ma cam. C'est parce que c'est pas le même truc. Donc du coup, je peux pas mettre comme ma cam parce qu'elle n'apparaîtra pas tout simplement. Donc ici, je vous montre donc bien tout ce qu'il y a à montrer. Voilà, donc je suis sur Firestorm, ça pas. Donc comme vous voyez ici, donc on a des primes à 5. Et il me semble que à la base, vous allez voir, ça fait 9 si je retire. Regardez, si je mets en prime normale, ça fait 9 comme impact. Voilà. C'est ça que je le mets en convexe. Comme ça, c'est. Ça impacte moins. Bon, ça vous vous en doutez que c'est moi parce que c'est hyper moche. C'est un lit, on s'en bat les cacahuètes. Ça c'est pas à moi non plus. Ça c'est pas à moi non plus. En fait, les seules choses qui sont pas à moi, c'est 1, 2, 3, 4. La TV n'est pas à moi si je l'ai acheté. Et 5, 4, voilà, 4, 5, aux toilettes, il y a une toilette aussi, là-bas, au loin. Eh ben, c'est pas à moi. Donc, j'ai 5 trucs, objets qui m'appartiennent pas. Sinon, le reste m'appartient bel et bien. Et oui, le beau fauteuil NES qui est ici m'appartient bel et bien. Donc, je vais vous montrer qu'il m'appartient. Là, vous voyez ici, Angernat, c'est parce que ce fauteuil m'appartient bel et bien. Ça, c'est classe. Excusez-moi, je vais vérifier vite un truc. Ouais, c'est bon, on voit tout. Donc voilà, c'est vraiment le fauteuil qui m'appartient. Comme vous voyez, je suis créateur et tout.
C'est vraiment moi qui ai créé ce fauteuil neuf. Alors, pourquoi j'ai créé ce fauteuil neuf? C'est une très bonne question qu'on peut se demander. Eh bien, je vais vous montrer pourquoi. Parce que tout simplement, je voulais offrir un exemplaire à un ami qui s'appelle Foxy McCloud. McCloud, c'est un ami sympa, un gars très sympa. Quentin, enfin, voilà, c'est un gars sympa surtout. On s'en fout de son âge. Voilà. Donc, comme vous voyez, il y a un truc de NES ici. Eh ben, je me suis inspiré avec ce bazar-là. Oui, bien sûr, celui-là est mieux fait parce que c'est pas le même en fait. Ça, c'est un truc carrément via un truc 3D parce qu'il y a 4 frames. Donc, moi, j'ai déjà pour ça, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Moi, j'aurais, ça devrait, si ça aurait vraiment été, si ça aurait vraiment été créé en prime, ça aurait été fait dans les 20 et quelque chose de prime, quoi. Ici, ça prend que 4 primes, donc c'est bien une exportation qui a été créée sur un, comme sur ZBrush, ou sur Ciné 4D, là, ou je sais pas sur quoi, être autre viewer 3D qui permet de faire ça, C'est même pour ça aussi, hein, ça a été créé sur un viewer 3D, je présume. Parce qu'on peut regarder ensemble les primes. Et en effet, ça prend que 5 primes. Après, peut-être que c'est possible que ce soit tout simplement créé à la main, je sais pas. Ici, on peut regarder aussi combien de primes ça prend. Ça prend 6 primes, donc peut-être éventuellement, eux ont été créés à la... à la main. Enfin, à la prime, quoi. Donc voilà, c'était juste pour ça. Donc c'était juste pour vous montrer en fait ma baraque. Donc je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me donner votre pseudo second live si vous êtes un furry. Surtout c'est intéressant pour un peu babuter comme ça entre potes sur SL. Bien sûr, ce sera via SL parce que je ne passe pas mon Skype parce que mon Skype est privé. Donc voilà, où je dois au pire créer un nouveau Skype, c'est ce que je peux faire au pire. Donc je vous dis à bientôt et bye bye gamer, c'était Lumi13.